Salut à tous, c'est Zazachoups. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 3. Donc bon, comme vous avez remarqué, j'étais en stage, mais maintenant mon stage est fini, donc maintenant je peux balancer tout plein de vidéos et tout. Par contre, dans une semaine c'est les vacances, et comme vous savez, pendant les vacances, je suis pas là. Donc il y aura pas de vidéo pendant les vacances, mais j'ai des vidéos que je pourrais faire vite fait là, tout à l'heure. Même jeudi ou pendant mes bonnes horaires de cours, enfin, on verra bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Far Cry 3, je vais expliquer vite fait le jeu. En gros, on est avec des amis sur une île déserte en vacances, et à un moment, on fait un saut en parachute, et on se fait capturer par Vaz, donc c'est le méchant qui est sur la boîte. Et, quand on se fait capturer, en fait, il a tué notre frère, et on veut tout simplement le tuer. Et donc on doit remplir plusieurs missions pour pouvoir, réduire ses puissances, si je puis dire. Comme là, j'ai rejoint une sorte de clan des, on va pas dire des indiens, mais c'est des, voilà quoi, c'est des gens qui vivent avec la nature ici et tout ça. Ça s'appelle les Rakiats. Donc voilà. Et on devait, on fait partie d'un clan, on va dire. Et on a besoin d'eux pour sauver nos amis. Et il y avait une mission où il y a un mec qui nous a dit, ouais, Vas, il a plein de cannabis et il faut que t'ailles brûler tout ça, comme ça il pourra gagner moins de thunes. Parce que Vas, c'est un méchant, enfin voilà quoi, il a un grand réseau de prostituées et un grand réseau de drogue, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Enfin maintenant, limite, pour avoir des sous, faudra faire ça. Sinon, moi c'est ce que je vais faire, hein. Moi je vais monter dans mon jardin, je vais me faire un petit mètre carré, non je rigole. Donc là en gros, pour ceux qui connaissent GTA San Andreas, cette mission m'a fait penser tout de suite à GTA San Andreas. Le fait où il faut cramer tous les champs, bon là c'est avant que les flics arrivent. Mais là, c'est justement pour faire chier Vas. Parce qu'en effet, même quand des fois on fouille les... Comment dire, les cadavres, parce qu'on peut fouiller les cadavres, on trouve des fois des joints, enfin des trucs comme ça. Mais bon, on peut pas fumer, c'est juste pour vendre. Hein. Notre Jason, donc le personnage qu'on contrôle, ne fume pas. Lui, il est ça. Mais c'est bien, Jason, c'est bien, je suis fier de toi. Même si t'es un Américain, tu vois, tu... C'est bien, je suis fier de toi. Non, sincèrement, c'est cool. Mais bon. Mais voilà, donc le jeu, je l'ai fini. Hein, donc bon, je vais pas non plus vous dire comment se passe le jeu. J'avais pas envie de faire une série sur Far Cry parce que, à mon avis, il y en a vraiment beaucoup. Et j'avais envie de faire cette émission parce que je la kiffe, quoi. Tout simplement. Quand... En fait, la mission, je l'ai essayé et je me suis tué. Je me suis dit, putain, faut que je fasse une vidéo dessus. Donc là, en gros, vous voyez, j'avais déjà fait la mission une fois. Hein. Là, c'était seulement la seconde fois. Mais ça faisait un moment que je l'avais tourné. Il fallait juste que je fasse le commentaire. Donc, je le fais aujourd'hui, là. Donc, ouais, des fois, on a des suicidaires. Mais il y a un nouveau truc dans Far Cry 3. Je peux vous avoir remarqué, j'ai beaucoup de tatouages sur le bras. Et en fait, c'est grâce aux tatouages que je gagne des... Où j'ai envie d'éternuer. Que je gagne des compétences, genre par exemple, il y en a une où si je fais un certain tatouage, je peux tuer un ennemi au couteau. Et après, genre, je prends des couteaux dans sa poche, donc de l'ennemi que j'ai tué, et il les lance sur des gars, quoi. Mais c'est vraiment pas mal. Et il n'y a pas à dire, il est nettement mieux que Far Cry 2, parce que Far Cry 2, c'était trop répétitif. Les missions, elles se ressemblaient toutes. Souvent, il fallait souvent... Enfin, dans Far Cry 2, il fallait souvent péter des... Comment dire... genre péter des locales ou sauver des amis et tout. Et si on sauve... Parce que, en même temps, si... Ouais, là, c'est un petit peu gore, là. Donc, et si on est... Parce qu'en fait, en même temps, quand on faisait une mission dans Far Cry 2, nos amis nous donnaient une mission à faire en plus. Donc, on avait un double de travail. De toute façon, j'ai vraiment des vieilles vidéos, donc pour ceux qui comprennent pas, ils ont qu'à aller voir. Mais c'était vraiment au début, hein, mes tout débuts de YouTube. Mais bon, franchement, non, y a rien à dire. Franchement, Far Cry 3, c'est un pur jeu. C'est juste le multijoueur. Arrêtez de jouer à Call of Duty et venez sur Far Cry 3, s'il vous
plaît, s'il vous plaît. Bon, ça va. De toute façon, dans pas longtemps, je vais faire une petite vidéo de présentation de. Comment ça s'appelle? Du multijoueur de Far Cry 3. Parce que franchement, il n'y a rien à dire. Il est. Franchement, il est génial. Et le mode coopération, il est juste excellent. Donc là, je sais pas si vous regardez bien, mais vous voyez quand même que. Les effets du cannabis brûlé. Ça. Vous voyez? La caméra, elle bouge et tout, donc ça refait les mêmes effets que dans GTA San Andreas, mais en mieux. Et franchement, je me suis dit, oh, si ça lui fait rien, franchement, c'est pas réaliste. J'avais dit ça quand je tournais le truc. Et vous voyez que ça bouge vraiment, donc ça fait des effets et tout, franchement, c'est classe. Enfin, ça m'étonne pas, vous brûlez carrément 5 hectares de, de champ, c'est un peu logique que vous soyez comme ça. Si vous êtes intact, si vous êtes. Sobre, c'est que vous êtes. Donc je me suis dit, ouais, je vais encore aller dans les champs et tout. Ouais, je vais me faire une dernière petite virée là. Un peu de fumette là. Non, sérieusement, sérieusement. Donc là, maintenant qu'on a pété les. Qu'on a brûlé les champs, il faut aller détruire le bateau. Donc je crois que dans le bateau, il y avait de la. Cocaïne dans le jean. Nanana. Un garrot, une seringue. Bref, on s'en fout! Donc, voilà. Bon, malheureusement, on peut aussi y aller discrètement, mais bon, je crois que c'était un peu raté là. Même si j'avais eu une sorte de famasse au silencieux. Donc, c'est des rafales de 3 à chaque fois. Donc, je spammais ma touche. Mais. Si aussi j'ai fait cette vidéo, c'est parce que franchement la musique. Écoutez la musique. Enfin bref, je la trouve juste excellente cette musique, c'est Skrillex avec je sais plus comment il s'appelle, Damian Marley, un truc comme ça. Et la musique c'est Burn. Oh, ça commence par Burn au début. De toute façon, je vous mettrai tout ça dans la description. Il n'y a pas de souci. Je vous mettrai même un lien pour écouter la musique. Et franchement, Skrillex, bah, je connaissais de nom. Je sais qu'il faisait des musiques comme ça. Mais franchement, celle-là, je l'aime bien. Parce que moi, je suis pas trop ce genre de musique un peu remix et tout ça. Bon, c'est vrai, en soirée, ça met de l'ambiance et tout. Et comme ça, tu bouges ta tête et tout. Avec un petit cachet d'extasie. Allez, faut que j'arrête. Faut que j'arrête mes conneries. Parce que non, je ne prends pas ça, hein. C'est franchement faut pas prendre des trucs comme ça. Hein. Pour ceux qui se posent des questions, hein, je suis pas une chouette ou quoi, hein. Non, non, je dis ça pour rire. Hein. Donc là, vous voyez, attention, on va péter la cargaison de cocaïne. Et voilà, de la farine dans l'eau, ça fait du pain. Elle était nulle. Bon, allez, bon, bah, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vert, à me rejoindre sur Twitter, sur Facebook. Et je vous dis à très très bientôt, les gens. Moi, je vais pêcher du poisson. Ciao, ciao, tout le monde. C'était Zaza Chou. Oups.